petit crochet, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, nous sommes mercredi matin et donc là, j'ai fini de me préparer, je me suis maquillée, ma fille, elle est en train de se préparer. Il est 4h15 du matin et on va prendre un taxi qui va venir nous chercher pour nous emmener à la gare. Et je vais essayer de vous filmer au maximum... Enfin, quelques trucs du trajet. On arrive normalement vers 11h15, donc je vous ferai un petit tour du propriétaire, comme on dit. Et voilà, je parle tout bas parce que le soleil ne s'est pas levé et je suis toujours dans la région parisienne, mais contente de partir. Eh bien, on change de décor.
Coucou. Nous sommes samedi, je n'ai pas de voix, je n'ai plus de voix à cause des attractions. J'ai crié comme une malade. Et pour vous raconter un petit peu la petite histoire, en fait ici c'est une résidence un peu fermée, comme si on était sur une île. Et on peut tout faire à pied. C'est justement pour ça en fait que j'ai pris l'endroit, parce que tout est à proximité et on n'a pas besoin de voiture. Enfin, en proximité, pour aller à la plage, il faut marcher quand même pas mal. Mais donc on est entouré de bateaux, voilà, de trucs vraiment, enfin de tout, des magasins, bref. Et dans les premiers jours, on a été morte vraiment de fatigue. Donc la première soirée, on est allé faire une attraction au parc. Je crois que je voulais filmer. C'est une attraction qui tourne comme ça, qui a des couleurs. Et en fait, elle tourne sur elle-même et elle monte super haut et elle tourne dans tous les sens. Et vous avez l'impression que vous allez mourir à chaque seconde. Et ça c'était le premier soir. On est arrivé, l'adrénaline est montée. On a perdu les clés du logement. J'ai laissé les clés dans ma poche et j'ai complètement oublié de la mettre dans le sac. Et l'attraction a fait s'envoler la clé. Je l'ai entendu s'exploser. J'étais pas bien. Heureusement que le locataire en fait des lieux ici, il est super sympa. Et qu'il a réagi tout de suite, il m'a filé les doubles des clés, mais je me sentais super mal. J'espère retrouver les clés, je vais retourner au manège peut-être ce soir. Là, il fait pas beau, donc je profite pour filmer. Et puis en plus, comme je suis en train de monter le vlog, il me manquait quand même une partie où je vous raconte les aventures. Donc ça, c'était le premier soir. Hier c'était la deuxième journée, on se dit bon bah allez, alors attendez, on est arrivé donc avant-hier, le jour numéro 2, qu'est-ce qu'on fait, on va faire des courses parce qu'il n'y avait rien à manger. On est parti faire une balade au Vieux-Port. On est allé manger dans un restaurant de grillade qui était bien sympathique. Et donc, il y a deux... En fait, comme on est sur une île, à gauche, il y a un Vieux-Port et à droite, il y a la plage. Mais ça fait quand même du chemin. On est passé devant un tatoueur perceur. Donc, j'ai pris un piercing pour mon nez parce qu'en fait, je l'ai complètement perdu dans le voyage, mon piercing. Et qu'est-ce qu'on a fait ce soir-là? On a fait une balade, une bonne balade. Et puis, on est rentré tranquillement. Le jour numéro 3, on est allé à la plage. Et là, il y a du vent. On ne sent pas le soleil. Et on est brûlé. Mais quand je vous dis brûlé, alors peut-être que vous ne verrez pas. Je ne sais pas. Mon dos est brûlé. Donc là, aujourd'hui, heureusement qu'il fait pas beau, mais on est des écrevisses, ma fille et moi. On a pris beaucoup de soleil, j'ai le dos rouge. Troisième jour de plage, jour de vacances, de repos. Mais ce n'est pas vraiment de tout repos. En plus, elle est loin, la plage, il faut marcher. Pas mal, quand même. Et le soir, donc, on mange à la maison. On se prépare pour aller faire des attractions. Et j'ai vraiment... Là, j'ai empilé les attractions qui font tourner la tête, des trucs. Parce que j'accompagne ma fille pour qu'elle s'amuse. Et puis moi aussi, j'adore ça. Mais sauf que... Alors, les premières attractions, ça allait. On en a fait une. C'est dommage, j'ai pas pu filmer. Mais en fait, on est dans un ballon en plastique. Et on marche à l'intérieur de... En fait,
Il gonfle, on te met à l'intérieur du ballon, on te gonfle le ballon, et puis il y a une piscine, et après il te jette dans la piscine, et toi, tu dois marcher dans ce ballon en plastique transparent sur l'eau. Donc c'est très sportif, c'est super drôle, c'est bien marré. En tout cas, moi, je me suis bien marrée. Les attractions, j'adore ça. Sauf que la troisième attraction de la... Enfin, en fait, il y a des attractions au jour d'aujourd'hui, les amis. Enfin, ça faisait longtemps que j'étais pas allée ni à la Foire du Trône à Paris, ni dans les foires. Voilà, enfin, ça faisait super longtemps. Et là, c'est un parc géant. Au bout de... On a fait la Maison des Horreurs, les zombies. Ça m'a fait super peur. Je déteste ça. Je déteste ça. Le clown à la fin avec la tronçonneuse, là, j'ai cru que j'allais mourir. J'étais cachée dans les cheveux de ma fille. Non, j'aime pas ça. Bref. Au bout de la troisième attraction, t'as la tête qui tourne, il te balance à l'envers, à l'endroit. Là, j'avais vraiment envie de vomir. Et donc là, j'ai arrêté. Parce qu'en fait, en plus, autant d'attractions comme ça, enfin, les unes après les autres, je crois que c'est pas bon. Du coup, on a arrêté un petit peu le feu d'artifice, parce qu'il n'était pas du tout par là où on était, il était de l'autre côté. Mais on a réussi à voir, et c'était franchement magnifique. Ah, ils se sont améliorés sur les feux d'artifice. J'adore les feux d'artifice du 14 juillet. Et ceux-là, ils étaient magnifiques, on aurait dit des fleurs. Et il y en avait où ça pétait d'un coup, il y avait une couleur et il y avait d'autres couleurs qui apparaissaient sur le contour, enfin des trucs de fou. Il y avait des feux d'artifice en forme de cœur. J'essaierai de vous mettre des images. Et donc voilà. Et je me suis ramené quand même du fil pour faire du crochet. J'ai bien envie la semaine prochaine, dès que j'ai un petit peu de temps, commencer le gilet dont je vous ai parlé déjà dans les anciens vlogs. Je vais la faire avec la Genesis. J'ai ramené de la Genesis. Donc je vais faire avec ça. Parce que là, pareil, enfin, par exemple, c'est le jour de... Enfin, c'est la journée type où on va rester à la maison parce qu'il fait vraiment pas beau, ça sent la pluie. En fait, le crochet pour moi, c'est la détente aussi. Donc, j'ai bien envie de commencer ça. Et je vais aussi clôturer le vlog ici. Je suis désolée, ce n'est pas un vlog très long parce que c'est des vacances. Et puis ça fait que mercredi, jeudi, vendredi. Ah, quand même! Ça fait 4 jours qu'on est déjà là. Ça fait 4 jours. Aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Je pense qu'on va faire une balade en bateau parce que on peut faire. Ça fait comme des bateaux taxis. Un peu comme à Venise. Tu peux faire un bateau, enfin tu peux faire un tour, pardon, en bateau à travers les petites îles, à travers le port, et visiter comme ça le coin, ça a l'air sympa. Donc je pense qu'on va faire un truc cool comme ça. La plage, soit le soir, soit on va éviter. Et puis voilà, de toute façon, je vous tiendrai au courant dans le prochain vlog. J'espère que, bah, inspirant ce vlog, je pense pas. Apaisant peut-être, dépaysant un petit peu si malheureusement vous ne partez pas. Et puis voilà, un petit moment de partage. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Prenez soin de vous, aimez-vous et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!
Bum, 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 bum